Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode que je vais essayer de faire, enfin, depuis un petit moment. Le mode Escape sur Prison Architect. Alors j'ai pas vraiment réglé mon problème, mode évasion plutôt. J'ai pas vraiment réglé mon problème, mais je me suis aperçu que si je ne faisais absolument rien au moment de la sauvegarde automatique, j'étais tranquille. Et ça ne buguait pas. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir enfin avancer dans le jeu. Je vais juste aller dans les options. Non, on s'en fout de ça. Je veux pas les sauvegardes automatiques. Fréquence de la sauvegarde auto. J'en veux pas. Zéro. Appliquer. Est-ce que je peux appliquer zéro? Ouais. Voilà. Comme ça, je pourrais sauvegarder si je le veux. Si je le veux. Bim. On va envoyer en rapide le temps de se faire emmener à sa cellule. Alors, je vais essayer de faire des petits épisodes de 20 minutes. Je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai jamais trop testé, donc c'est un peu de la découverte complète. Je m'appelle Whiteley, je n'ai pas de point de réputation pour le moment. Et je suis en détenu de moyenne catégorie, donc voilà, on va voir. C'est dans ma prison que j'ai créée, hein. Je pense que ça vous l'avez tous vu. Je pense qu'en fait elle est un petit peu trop grande, c'est peut-être ça qui fait que ça fait bugger, je sais pas. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça faisait longtemps. À peu près un mois, en fait. Je sais pas si vous vous rappelez. Je crois que je me déplace. Alors, on remet lecture normale. Je me déplace de cette manière. Si je veux, je peux casser des trucs. Et me casser vite fait. Hop là. si, voilà, espace pour arrêter le combat. Donc je gagne des petits points de réputation. Les points de réputation, je peux améliorer mon personnage. Donc par exemple être plus fort, plus résistant. Je peux devenir mortel. Donc je peux parfois tuer en un coup. Rapide, instigateur. Ok, d'accord. Habile bagarreur. Je vais plutôt être instigateur comme ça. Si jamais je veux foutre le bordel, on va vouloir m'aider. J'ai pas le droit de sortir. Moi, je voulais aller manger. Je peux. Est-ce que je peux courir? Non, je peux pas courir. Non. Je me suis rendu. Bon, je vais me mettre mortel. On peut passer la sanction. Merde, on peut pas passer la sanction. C'est quoi? J'ai voulu taper dans quelque chose. Je vais juste être enfermé chez moi. Ah, c'est long. Ah oui, ne jamais cliquer sur la croix. Hein. Ça met fin à la partie. Je vous le dis. Ça serait dommage de se faire avoir. Bon là je peux plus me battre, je peux plus rien faire. Laissez-moi dormir. Je comprends pas pourquoi. À dépenser un point de réputation pour que tous les membres de votre squad passent leur sanction dans leur cellule. Ah merde. Donc là je peux pas. Donc on va pouvoir accélérer. Donc là cellule et après dodo. Dodo, dodo. Ah, c'est long quand tu te fais avoir. Ouais, de toute façon, c'est l'heure de dormir. Voilà, dormir. Bim. Pour l'instant, on va dormir. J'ai pas d'outils.
pour planquer de la contrebande. Clic droit pour planquer de la contrebande. Le problème, c'est que je sais très bien que si voilà, je commence à cliquer, je vais me battre. Le but, c'est pas de se battre. Là, par exemple, si je veux prendre ma douche, je peux pas prendre ma douche. Combien mieux ce sera, ne laissez pas de témoins. Si un gardien vous surprend en train de vous battre, vous serez sanctionné à moins, bien sûr, qu'il ne soit plus là pour se plaindre. Faire tabasser ne fait jamais bonne impression. Essayez de faire pencher la balance de votre côté. Seconde étape, escouade. Recrutez d'autres prisonniers pour votre tentative d'évasion. Sifflez pour les appeler et ils vous suivent partout où vous irez. Cliquez sur leur nom en haut à gauche. Ouais. On est de votre côté pour combattre ce qui vous aidera. Ok, contrebande, il vous faut blablabla, découvrez ou pourrez trouver des choses utiles, examinez l'endroit où vous trouvez vite quelque chose d'intéressant à voler. Attention, les détecteurs de métaux, regardez en effectuant des fouilles. S'ils découvrent que ce soit, vous serez placé en isolement. Ok, étape 4, tunnel. Il paraît qu'il y a de la lumière au bout. Équipez-vous des outils et commencez à creuser. Partir des toilettes de votre cellule, la progression est lente, faites-vous aider par les membres de votre escouade, ne vous faites pas repérer si un gardien vous entre. Vous serez grillé. Ok. Hop là. Je peux pas vraiment courir, mais par contre je peux me déplacer plus rapidement. Est-ce que pour l'instant je peux me balader ou est-ce que si jamais je sors de ma cellule, on va m'emmerder? Non, me dit rien. Ah si, on dit quelque chose. Non mais... Ah, oh, laissez-moi sortir. J'avais le droit. J'avais le droit, je vais pas pouvoir manger. Ah, y a même pas de bouffe. Y a pas de bouffe. Comment je fais pour manger? Ah ouais, carrément. Ça c'est chiant par contre, que le clic gauche ça soit un coup de poing direct. Mais le problème c'est que là ça pouvait... je pouvais peut-être travailler. Enfin, c'est pas grave, de toute façon faut que j'accumule des points, on l'a dit, faut que je comprenne le jeu. Putain, et la sanction elle commence qu'une fois que je suis dans ma cellule? Ah, c'est trop long. Ah, c'est trop long. Allez, laissez-moi m'échapper. Alors, temps libre, travail, là c'est trop tard, du coup. Est-ce que par exemple, si je veux travailler, est-ce que je peux travailler? C'est vrai ça. Si je veux travailler. Ils disent pas comment faire. Ils me disent pas comment faire. Alors là, je suis dans la cour. Bouton 3 pour recruter. Voilà.
Alors, c'est pas cool, mais je crois que dans les chiottes. Ouais, c'est ça. Bim. Bon, je sais que c'est pas bien, mais j'en ai tué un. Voilà. Je suis inconscient par contre. Et par contre, j'ai créé une baston générale. Non, là, c'est juste des gens qui se déplacent. Mais bon, j'ai créé une petite baston. Je suis renvoyé à ma cellule, mais j'ai 2 points de réputation, ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt bien. Je vais pouvoir améliorer encore mon personnage. Le but étant de s'échapper. Alors, je m'échapperai, je pense, en... Ça va dépendre. Le problème, c'est que j'ai un peu trop sécurisé l'entrée. Je peux pas sortir de façon conventionnelle comme je l'avais fait dans mon premier essai. Ah merde. Je vais te renvoyer en... Alors, est-ce qu'ils vont m'envoyer me faire soigner ou est-ce qu'ils vont me mettre en isolement? Ah, par contre, je crois que je suis passé en haute sécurité. Ouais, je suis passé en haute sécurité vu que j'ai tué quelqu'un. Alors, est-ce que je vais être soigné? Ouais, ça. Je suis passé en haute sécurité. Par contre, là, il y a des fusils à pompe, donc on va peut-être pas faire les malins. Ah, putain, c'est long. Voilà, ça me fait perdre un point. Bon, allez, on va essayer de planifier un peu l'idée de comment on va s'évader. Je peux pas aller plus loin. Hein. Non, je peux pas voir la prison de plus loin. C'est con. Je peux pas sortir non plus. Je comprends pas là. Ah, je suis mortel instigateur et je suis membre d'un squad. Membre des squads. Je peux pas lui demander quelque chose? Ah si. Ah, je peux le jouer. Ok. Donc je peux le jouer pendant que l'autre est en prison. Mais ce qui est plutôt une bonne chose. D'accord, j'avais pas compris ça. Alors là, je suis en temps de travail. Mais je peux pas travailler, je crois. J'ai pas compris là, il m'a fait un. C'est quoi? C'est parce qu'il avait des objets sur lui? Mouais. Il faudrait peut-être que j'arrive à choper un. Quelqu'un de la. Hop là. Il y a beaucoup trop de gardes ici. Est-ce que je peux travailler? Je sais pas. Ah, lui par contre, voilà, d'accord. Lui il a pas de réputation par contre. Ok. Mais par contre. Par contre, c'est pas cool.
Non, je veux voler. Allez, poussez-vous! Ok. Alors, est-ce que j'arriverai à sortir sans me faire capter? Là, le but, ça serait que j'arrive à déposer mes fourchettes et couteaux. Hop là. Dans ma cellule. Avant que je me fasse rattraper. Ah putain. Oui. Ah. Planquer la contrebande. Bim. Mais par contre, pourquoi j'arrive pas à le cliquer? Ah bon, mais il y a quand même des choses qui sont pas bien faites parce que. Bon, c'est pas grave. Clic droit, rentrer dans le tunnel. Ouais, c'est pour voir si c'est possible. Je ne comprends pas. Bon, ok, on peut creuser de cette manière-là, mais... Bon. C'est pas très rapide. Ok, d'accord. Et en plus, je me déplace très lentement. Bon, bah, là déjà, ça m'a permis d'une chose, c'est qu'au moins, je me suis pas fait capter. Donc, tant que j'ai pas un chien qui vient renifler, ça devrait aller. Je vais aller bouffer. Je vais aller bouffer. Il faudra que je recrute quelqu'un. Est-ce que je peux manger? En fait, non, on s'en fout de manger, c'est ça? Ah, fort. Il est où? C'est lui qui est fort déjà. Ah non, il coûte 3. Merde, du coup, vu qu'il est fort, il coûte plus cher. Ouais. Bim. Bon, est-ce qu'on n'enclencherait pas une bonne baston générale? Je sais pas trop. Ah, je vais juste essayer d'enclencher une baston générale. Ça servit à rien. Bim. J'ai juste mis un pain. Et puis, ciao quoi. Bon allez, c'est pas grave, on peut reprendre lui.
Bon, il faudrait que j'aille le... Allez. Oh, putain, déjà inconscient? Ouais, ça va. Ah. Il a été changé de cellule, mon poteau. Non, c'est la prochaine. C'est la prochaine. On va bientôt s'arrêter. Je vais juste voir. Voilà. Voilà, je vais juste avancer un peu. Par contre, du coup, on est déjà au-dessus des prochains chiottes. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a personne qui aide. Ce qui est dommage. Alors, elle va casser dans combien de temps? Repas. Et donc, on peut planquer. On peut planquer de la contrebande directement dans les tunnels. Hop là. Quatre, 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 quatre. Balance. Est-ce que j'augmenterai pas ma respiration? Ma respiration. Mes points de réputation. Ah oui, par contre, ça coûte de plus en plus cher. Alors, soit je me fais mon propre perso en gros dur, et puis je lui mets un max de points. Pourquoi j'étais arrêté? Ok. D'accord. Bon allez, on va faire ça comme ça. Habile bagarreur. Et plus rapide. Voilà. Ok. Bon, juste envoyer dans mes cellules. Ok. Eh, hey, c'est bon, j'y suis. Non mais ça va! Ça va! Bon allez, à demain. Pourquoi je peux pas dormir? Arrête, vu qu'ils sont en sanction, je peux pas dormir? La loose. Hop. Et bon. Ah, c'est bon, je suis là. Allez, arrête. Lâche-moi. Je suis dans ma cellule. Ouais. Bon, écoute. Ah putain. J'ai voulu lui mettre un pain, il m'a endormi direct. Ok. Coup de taser.
Bon, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais pouvoir sauvegarder. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et partager. Je l'ai dit. Non, je sais plus. Comme d'habitude, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Ça y est, je suis tout perdu. Et puis voilà. À la prochaine.